Nous avons retiré le canari, l'air de la chair humaine, de tout ça ici. Il y a la chair humaine. Viens témoigner, s'il te plaît. Parce que tu as vécu la chose en direct. C'est la cour, c'est le maire député. Bon, je m'appelle Konan Kwame Marcelin. Je suis le grand frère de différents députés qu'on a en Nouvelle-Zélande. Et nous sommes à son domicile. C'est ici que le prophète Crasso a déterré le canari et la chair humaine. Alors, vraiment, avec l'amour de Dieu, s'il n'avait pas de vrai Dieu, il ne pouvait pas déterrer le canari avec la chair humaine. Parce que nous avons vu la force qu'il animait avec le diable, ça n'a pas été facile pour lui. Mais Dieu est amour, Dieu est vainqueur et il a vaincu le diable avant de déterrer le canari et la chair humaine. Alors c'est pour vous dire que son œuvre, c'est une réalité, ce n'est pas un mensonge. Comme le disent d'autres magiciens, ce n'est pas de la magie, c'est de la réalité. Puisque ici, dans mon village à Zaroko, les sorciers, ils ont fait des aveux, ils sont plus que 20. Et il y en a d'autres encore qui sont encore dans les coulisses qu'on va traquer. Donc le prophète Crasso n'est pas n'importe qui, n'est pas un individu comme nous le voyons, mais c'est un homme de Dieu. Et il croit en Dieu. Et tout ce qu'il fait, c'est par l'amour de Dieu. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le diable n'est rien devant lui. Le Satan n'est rien devant lui. Un sorcier n'est rien devant lui, comme je vous le dis. Donc tout à l'heure, vous allez voir les sorciers qui vont faire des aveux, que j'étais sorcier, j'ai mangé celui-ci, ça. Mais moi qui vous parle, ma petite soeur qui a été tuée par la sorcellerie, les gens ont fait des aveux sur ça. Ils ont été tués. J'ai laissé tomber par l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, je vous dis, j'ai pas fait ça. Voilà. Il a pris l'enfant qui a dit, celui qui a pris du cœur, n'a pas fait laisser un problème. Mais c'est ça aussi. Voilà, c'est ça aussi. Après les aveux, nous prenons le temps de dire aux gens de se calmer, de ne pas se venger. Et tout ça. Donc, pour nous, c'est une méthode de la remettre pour amener le sorcier à abandonner sa pratique. Donc, tout à l'heure, nous allons rendre visite aux quelques ex-sorciers chez eux à la maison. Voilà. Tu as même tué des gens, vous savez, mais il est un drap à quoi? Il est là, vous m'avez donné.
c'est une grâce. Mais la beauté de mieux, il est yaïou, la bonne vie. Donc il faut continuer ma soeur Jésus. Il est là, Jésus, il n'en est pas. Il faut plus retourner dans cette pratique. Ma soeur est bien, mais vous m'avez dit. Allez, allez, quand tu es bien, non, non, non. Voilà, nous sommes chez Justin Nel aussi. Tu vois bien? Et tu es aux 350 personnes, c'est un peu des gars dans la région, même des responsables de la confrérie, de la prison confrérie, des arcos aujourd'hui, des idées. C'est un peu l'efficacité du ministère. Nous évangélisons. C'est la vie qu'on appelle, on disait le dévoilement, le majesté du chaud, et puis la délivrance. Le Jésus qui est sorti. Donc, le délivré, celui qui n'est pas dangereux, il a besoin de notre soutien, il a besoin d'être aidé aussi, tout ça. Voilà. Je dis que quand on rentre dans un village, nous ne créons pas la division, hein. Nous ne sommes pas des trous dans les villages, malgré ses aveux. Malgré ses aveux, les gens ont pardonné. Les gens ont pardonné, ils vivent en communiquant les gens, ils ont oublié, on a pris le temps quand même. Le temps de préparer les gens à les accepter et tout ça. C'est vraiment important. Parce que Dieu m'aime à nous. Nous rendons gloire au Seigneur. Ça va, qu'est-ce que tu es venu toi? Dieu, il est bon. Dieu n'est pas venu pour les justes, il est venu pour les mauvais. Comment tu as reconnu? Voilà, Dieu, on ne peut pas donner. La bonne est là. Le pasteur va prier. Seigneur, je veux te bénir pour la vie de ce frère repenti. Je prie que désormais, cette marche, que ta puissance vienne le soutien, que tu le fortifies encore plus. Que toute opposition à son chemin, Seigneur notre Dieu, soit vite pour nous, Jésus. Merci pour ta main qui désormais te protège et la plus forte toute chose. Afin, comme tu l'as dit dans 2 Corinthiens 5, le petit que celui qui est en Jésus-Christ est devenu une nouvelle créature. Effectivement, Seigneur notre Dieu, que sa nouvelle vie soit une vie réelle en Jésus-Christ. Merci de le faire à cause de Jésus-Christ. Amen. On l'a reconnu. Oui, tu as béni. On l'a reconnu. Ok. Alors, on va passer de